notamment, c'est souvent les mêmes joueurs au début de l'action, et c'est ça qui est intéressant, soit Pastore, soit Messi. Et qui est important, c'est que la deuxième mi-temps, Di Maria, on a retrouvé Di Maria qu'on voulait. C'est vrai qu'on était exigeant avec ce joueur, parce que on avait vu Pastore et Messi se retrouver. On avait envie effectivement que Di Maria se retrouve parmi ces deux joueurs. Il s'est retrouvé, il a marqué son doublé. Agüero qui marque un très beau but, et Gwen qui rentre, qui marque. Voilà, l'efficacité du côté de l'Argentine, elle est là à l'attaque. Et ça, c'est très intéressant, c'est bien pour la confiance pour la finale, parce que ça ne va pas être le même match, ça va être beaucoup plus dur contre le Chili. Parce que là, il y avait quand même pas mal d'espace, parce que le Paraguay essayait de jouer, il laissait énormément d'espace aux attaquants argentins. Omar, on a encore ces images de but, on se projette tout de suite vers la finale. Omar, qu'est-ce qu'il va falloir corriger par rapport à l'Armada et c'est une équipe très complète, le Chili, pour cette finale. Qu'est-ce qu'il faudra corriger ? Corriger, je ne sais pas, parce qu'on disait tout à l'heure, les styles, les schémas, ils vont être opposés. Je crois que ça va être un match de coup contre coup, parce que